Bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais avec Christine Boutin, ancienne ministre du Logement et de la Ville du gouvernement de François Fillon, présidente du Parti chrétien-démocrate. Mais vous avez la double appartenance, hein, chrétienne-démocrate et UMP. Vous avez d'ailleurs soutenu Jean-François Copé pour la présidence de l'UMP et vous continuez de le soutenir à l'instant. Albert Ogien, vous êtes sociologue, vous êtes l'auteur avec Sandra Logier de « Pourquoi désobéir en démocratie ?» où vous étudiez les actes de désobéissance civile qui prolifèrent, dites-vous, dans la France d'aujourd'hui. On va en évoquer quelques-uns d'ailleurs. Et vous venez publier « Sociologie de la déviance » où vous vous demandez notamment quel type de règles un individu choisit-il de suivre pour mettre de l'ordre dans ses actions. Cécile Philippe, vous êtes économiste, vous dirigez l'Institut Molinari que vous avez fondé, un institut d'obédience libérale. Vous êtes l'auteur de « C'est trop tard pour la Terre », un pamphlet dans lequel vous fustigiez l'alarmisme environnemental. Henri Pénard-Ruiz, vous êtes philosophe. Vous avez beaucoup travaillé sur les questions de laïcité, de politique sociale, de l'égalité républicaine. Et vous venez de publier « Marx quand même », où vous soulignez l'actualité de Marx, un penseur visionnaire, d'après vous, et un Marx délivré, évidemment, de sa caricature stalinienne. Je vous cite. Valérie Lang, vous êtes comédienne et jusqu'au 30 décembre, vous êtes à l'affiche de Sodome Madouce de Laurent Godet, mise en scène de Stanislas Nordet au Théâtre de Belleville. Seule en scène, vous y interprétez, nue, la dernière survivante de la ville de Sodome qui, du fond des âges, s'adresse à nous et nous raconte ce qui est arrivé à la ville de Sodome. Bruno Gassio, vous êtes l'auteur de « Blanc, c'est pas nul » avec Marine Audet, un livre qui vient d'être couronné de succès un an après sa sortie, puisque la semaine dernière, le vote blanc a été reconnu par l'Assemblée nationale. Les bulletins blancs seront désormais décomptés séparément des bulletins nuls et c'est en partie grâce à vous. Tariq Ramadan, vous êtes professeur d'islamologie à l'Université d'Oxford, directeur du Centre de recherche sur la législation et l'éthique islamique à Doha, au Qatar. Vous êtes l'auteur de nombreux livres. Le dernier, c'est « L'islam et le réveil arabe ». C'est sur les révolutions arabes. Et l'on commence tout de suite par l'UMP, évidemment. La situation, là, au moment où je vous parle, c'est en gros le référendum ou la scission. Comment en est-on arrivé là ? Ben, au début, ça se passait bien. Et puis, à un moment, le camp Fillon s'est révolté. Il s'agit d'une erreur manifeste et grave. L'oubli pur et simple de ces trois fédérations et de 1304 militants. Je crois de façon manifeste qu'on assiste juste à un putsch, à une tentative de putsch médiatique, à une agitation qui a pour objectif d'intimider, de faire en sorte d'emporter une victoire qui n'a pas été donnée par la réalité des urnes. Écoutez, il y a une commission des recours, donc on ira à une commission des recours s'il fallait une commission des recours, puis comme ça, ça permettra de regarder aussi de plus près les résultats à Nice, et puis voilà. Un parti politique, c'est pas une mafia. Un parti politique, c'est pas un endroit où on peut étouffer les affaires, refuser de dire la vérité. Les seules conclusions que j'accepterai, ce sont celles d'Alain Juppé et de sa commission, parce que c'est la seule instance dans laquelle j'ai confiance. 25 minutes à l'Assemblée et Alain Juppé jette l'éponge. Impossible pour lui de réconcilier François Fillon et Jean-François Copé. Je leur ai dit, on ne peut pas s'asseoir sur les statuts, sur les règles juridique d'une organisation, quelle qu'elle soit, par respect pour les militants. Or, la médiation, elle n'avait pas de légitimité pour fonctionner. Dans un communiqué, François Fillon déclare qu'il saisira la justice pour rétablir la vérité des résultats. Pas de quoi perturber la contestée commission des recours du parti qui poursuit son travail et proclame en fin d'après-midi Jean-François Copé président. Je demande à Jean-François Copé une nouvelle élection par les adhérents dans les 3 mois, sous le contrôle d'une commission indépendante, dont la composition devra être incontestable et qui aura seule le contrôle des opérations de vote. Dans l'attente de cette nouvelle élection, j'ai décidé, avec les députés qui me suivent, de constituer un groupe parlementaire qui aura pour nom le Rassemblement UMP. J'ai proposé à François Fillon que l'on donne la parole aux militantes et aux militants de l'UMP pour qu'ils se prononcent par référendum pour savoir s'ils souhaitent ou non que l'on recommence à voter.
Alors, Christine Boutin est en soutien de Jean-François Copé. J'ai demandé un soutien de François Fillon de venir nous rejoindre. C'est Jean-François Lamour. Vous êtes ancien champion d'escrime, champion olympique d'escrime et ancien ministre des Sports. Aujourd'hui député UMP de Paris. Vous avez soutenu François Fillon dans la course à la présidence et vous le soutenez encore. Alors, c'est à vous que je pose tout de suite la question. Est-ce que François Fillon était dans son droit quand il a finalement refusé d'obéir au statut de l'UMP, qui voulait qu'il aille devant la commission des recours, il l'a refusé. Était-il dans son droit au risque de causer une situation qui peut être catastrophique pour votre parti ? Oui, le droit et les règles, je ne sais pas très bien aujourd'hui ce qu'il faut en penser, en tout cas à l'UMP. D'autres situations, d'ailleurs, on va en parler ce soir. Hein. En tout cas, il y avait deux facteurs qui ont fait que François Fillon a dit stop, ça suffit. Un environnement, beaucoup de défiance finalement sur la procédure de vote, des irrégularités, le fait que le parti ait été vraiment à la disposition de Jean-François Copé pendant cette période de la campagne, et puis un facteur déclenchant. Parce que souvenez-vous, le lundi soir, il avait accepté, même s'il estimait qu'il y avait eu des irrégularités, le résultat. Le facteur déclenchant, c'est le fait que trois fédérations, excusez du peu, n'aient pas été comptabilisées dans le résultat de cette fameuse COCOE qui est devenue mondialement célèbre. Hein. C'est devenu quand même M. Gélard, et certainement, je ne sais pas s'il va faire le tour du monde pour présenter effectivement ses travaux, mais en tout cas, il est devenu très célèbre. Et c'est à partir de ce moment-là, effectivement, que François Fillon a dit « on ne peut pas continuer comme ça ». Déjà parce qu'il se sentait en quelque sorte trahi par cette fameuse procédure, puis d'autre part, il pensait aux militants et aux militantes qui avaient voté, en tout cas qui s'étaient essayés à cet instant de démocratie pour l'UMP. Pardon de vous interrompre, Jean-François Lamour, mais quand Al Gore n'était pas content des résultats face à George Bush en 2000, il n'a pas demandé la médiation de Bill Clinton ou de Ronald Reagan, ancien président. Il y avait que la Cour suprême, et puis on ne sort pas de là. À ce moment, effectivement, il y a eu plusieurs épisodes, vous les avez rappelés. Hein. Bon, on est arrivé effectivement à ce fameux référendum qui a quand même été très largement initié par Nicolas Sarkozy qui a appelé Copé et Fillon. Il fallait un médiateur. Il a demandé effectivement à Alain Juppé de rentrer dans la mêlée et devenir le médiateur. On a assisté là aussi à une période d'enfumage, hein, j'ai appelé ça comme ça, pour qu'enfin Copé dise non à la médiation. Donc, on voit bien ce moment de défiance où finalement tout est possible, d'un côté comme de l'autre. Donc il fallait effectivement trouver ce point de consensus qui est le principe du référendum, mais pas à n'importe quelle condition. Voilà, et je crois que c'est une bonne chose, finalement, que nous en soyons ce soir arrivés là, à condition bien sûr que ces principes soit suivi des faits et donc qu'on arrive à la mise en place du référendum dans des conditions qui ne soient pas celles qui a présidé l'élection que nous avons vécue il y a quelques jours. Christine Boutin, vous étiez choquée que François Fillon se mette en dehors de la règle des statuts du parti, qu'il, à partir du moment où il ne voulait pas aller devant la commission de recours, ça veut dire qu'il n'a pas du tout confiance dans l'UMP. Non, mais c'est un véritable drame. C'est un véritable drame. La démocratie, elle est fondée sur le vote et la majorité. Quand on est un responsable politique, ce que nous sommes tous à l'UMP, on devrait être encore plus exemplaire par rapport au respect du droit. Oui, mais sur des fondements. Il y a eu un vote, du reste, qui a été confirmé. Et moi, je pense qu'il y a eu plutôt un grand dépit de la part de François Fillon et de son équipe qui pensaient être élus. Tous les sondages disaient qu'ils étaient élus. Et puis, en fait, il ne l'a pas été. Et Jean-François Copé, pour moi, a fait beaucoup de gestes d'ouverture pour faire en sorte que les choses aillent mieux. Et à chaque fois, ça a été non. En ce qui concerne le dernier épisode sur le référendum, j'espère qui sera vraiment accepté par les deux parties. Jean-François Copé l'a proposé, mais on est quand même dans une situation ubuesque, où en fait on a un résultat, une procédure a été confirmée par la commission qui avait été décidée par les statuts, et aujourd'hui on va demander aux militants s'ils veulent voter à nouveau, pour voter encore. Enfin, je veux dire, c'est un petit peu fou. Si c'est le médiateur, ça n'a pas pu être Alain Juppé, ça n'a pas marché. Nicolas Sarkozy a voulu rester en retrait, et je pense qu'il a bien fait, même s'il y a eu sans doute des coups de téléphone entre les uns et les autres. Et en réalité, la médiation qui a été proposée une fois de plus par Jean-François Copé, c'est le référendum, c'est-à-dire ce sont les militants qui vont redemander. Mais je trouve que le dégât est terrible.
dans l'opinion, pour tout le monde, pour toute la droite. Au-delà de nous-mêmes, de l'UMP, au-delà de Fillon, au-delà de Copé, nous sommes là, les Français se posent la question de savoir quels sont ces hommes politiques qui donnent l'impression de plutôt défendre leur propre poste plutôt que l'intérêt général. La France va mal, nous sommes dans l'opposition, il y a beaucoup de choses à dire en ce qui concerne les options du gouvernement aujourd'hui quand on est dans l'opposition, et aujourd'hui tout est caché par ce manque de bonne volonté, et moi je dirais que François Fillon a une responsabilité majeure. Majeure. Oui. Tariq Ramadan, vous avez suivi Oui, oui, bien sûr, j'ai suivi, mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous, parce que je pense que... Non, sur ce plan, c'est... Et puis, il y en a d'autres aussi. Sur d'autres plans, on ne sera pas d'accord. Mais sur celui-ci, quand vous dites qu'il faut suivre les faits... Écoutez, je veux dire, quand, au lendemain d'une élection, on s'aperçoit qu'on a oublié 3 départements et qu'il y avait déjà des doutes auparavant, les faits sont là. Ça veut dire qu'il y a eu des entorses manifestes. À partir de ce moment-là, la seule chose qui me paraît juste, d'abord, il a raison de contester, il a raison de dire, non mais attendez, de qui se moque-t-on ? Et que la seule attitude responsable, ça aurait été de stopper, d'arrêter cette lutte d'ego à laquelle on assiste, parce qu'au-delà du fait des procédures, c'est deux égos qui se rencontrent et qui clashent, mais il y a quand même factuellement quelque chose qui me paraît déterminant. Quand on oublie des votes, quand on ne se fait pas confiance, eh ben on recommence dans la transparence. Oui, mais alors, pardon d'intervenir, mais encore une fois, moi, ce qui m'intéresse ce soir, c'est à quel moment est-ce qu'on se révolte contre les règles et qu'on se trouve justifié à le faire. Et dans le cas, pourquoi ne pas aller, encore une fois, devant la commission des recours? Ça veut dire qu'on jette le discrédit sur son parti. Non, si Nicolas Sarkozy avait discuté le résultat de l'élection présidentielle en France contre il en aurait eu le droit. Non, mais à ce moment-là, il serait allé devant le il n'aurait pas demandé la médiation de Giscard. Non, non, elle est discréditée, la COCO. Attendez, il gagne avec 90 voix. Le lendemain, il gagne avec 900 voix. Et puis après, demain, ça, c'est la commission des recours. Non, mais simplement, en termes de règles, je veux dire qu'effectivement, il y a des règles, mais on sait comment fonctionne le parti, on sait, et cela a été su auparavant, ça fonctionne quand tout est transparent, quand il n'y a plus de transparence, on se retourne vers la commission, ils sont tous pro-copé. Eh bien, à partir d'un certain moment, vous n'avez pas le droit de dire ça. En ce qui concerne la COQE... Pourquoi j'ai pas le droit Non, parce que c'est faux. J'ai le droit de dire des choses même fausses. Le Conseil constitutionnel, paraît qu'ils sont tous été nommés par la droite. Non, mais en ce qui concerne la COQE, il y avait des représentants de COQE. La majorité, elle est faite. Ils ont fait une erreur, c'est sûr. Mais quand on a une élection législative en France, quand il y a une erreur dans un bureau, eh bien à ce moment-là, on va devant, et aussi il y a contestation, on va devant le Conseil d'État. Le juge n'est pas parti. Mais il n'était pas parti. Ah, il est un peu parti. Vous allez nous dire, franchement, en me regardant droit dans les yeux, regardez bien dans les yeux. Vous allez dire que la commission n'est pas majoritairement pro-copée. Mais vous osez dire ça. Mais c'est le hasard qui a fait ça. C'est le hasard, c'est ce que je voulais. Mais oui, parce que c'est... Mais oui, pourquoi? Parce que elle est pro-copée quand même. Cette commission, elle a été constituée par vote des militants à une époque où M. Bertrand était le président. M. Copé a pris la présidence après. Cette commission, elle est composée de ceux qui ont été élus par les militants. Il se trouve qu'il y avait... D'abord, c'est faux, il y avait 4 copés. Non, mais il y avait 4 copés, 3 Fillon. Et 2 neutres. Alors, on ne peut pas dire que c'était déséquilibré. Bon. Enfin, bref. Non. Albert Rogien, vous qui avez tellement travaillé sur la désobéissance civile, c'est pas de la désobéissance civile, c'est dans le cadre d'un parti, là, évidemment. Enfin, c'est dramatique. Mais est-ce que vous voyez des points communs avec ce qu'on va voir après dans l'aéroport Notre-Dame-des-Landes ou Peut-être pas avec la désobéissance civile, mais avec l'idée de règles. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé. C'est deux phrases. C'est une phrase de Jean-François Copé qui dit les statuts, les règles, les statuts, les règles. Et l'autre phrase, c'est François Fillon qui dit un parti politique, ce n'est pas une mafia. Et si on joint les deux phrases, on peut se poser la question de quelles sont les règles qui sont appliquées dans ce parti. Parce que si c'est une mafia, les règles de la mafia ne sont pas les règles qu'on voudrait être celles d'une démocratie. Donc voilà, c'est la seule réflexion c'est que je peux avoir. C'est ce qui justifie le fait qu'à un moment, on ne respecte plus la règle. C'est qu'on ne respecte pas la règle. C'est ce qui justifie peut-être après la démarche de François Fillon et d'engagement dans le conflit avec, et le nom qui a été pris, c'est-à-dire ces deux clans qui s'affrontent.
et qui ont besoin, bien quoi, du parrain pour faire la paix. Et c'est qui le parrain? Le parrain, c'est les militants, avec non, le référendum. Non. Ah ben avec le parrain, c'est la personne. Vous êtes avec un son, le parrain, c'est la personne qui a proposé le référendum et qui va recevoir les deux belligérants demain. Il faut bien qu'on en sorte. Moi, ce qui oui, bien sûr. D'abord, il y a une chose que je remercie Jean-François Copé en ce moment. Parce qu'il a réussi à me rendre sympathique François Fillon, ce qui n'était quand même pas simple au départ. Et ensuite, quand on Pourquoi veut transgresser une règle... Pourquoi Fillon ? C'est pas le mec le plus sympathique du monde, ah quand bon même. Je n'ai pas l'impression qu'il s'est marié depuis 5 ans, je ne l'ai pas vu sourire. Ah bon ? Les vous... copains sont très sympas. Si vous voulez, on en parle. Oui. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Quand on veut transgresser une règle, quand on transgresse une règle, on a conscience qu'on transgresse une règle, donc on connaît cette règle. Moi, je ne connais pas. J'ai l'impression que peu de gens connaissent le fonctionnement interne de l'UMP. Parce que vous n'êtes pas militant. Mais soyez militant, non, mais... soyez adhérent et vous connaîtrez parfaitement les règles du jeu. Est-ce que vous pouvez imaginer que des gens n'aiment pas l'UMP ? Mais bien sûr. Alors imaginez que je ne l'aime pas. Mais si vous ne connaissez pas les procédures, vous ne pouvez pas les critiquer. Je connais les procédures du vote. Je ne suis pas en train de critiquer la procédure. Je suis en train de me demander, parce que je m'interroge, est-ce que ces gens transgressent quelque chose ? Est-ce que M. Fillon transgresse une règle ? Moi, personnellement, je ne connais pas. C'est très bien. Il a toujours dit qu'il ne voulait pas aller devant la commission de recours. Est-ce que dans les statuts, vous allez pouvoir me répondre, est-ce que ce référendum existe dans les statuts ? Référendum pour... Non, parce que c'est idiot. Non. Mais c'est une bonne volonté de M. Copé qui, pour pouvoir arriver à sortir, propose que les militants tranchent. D'accord. Pour essayer de... Que c'est le même mec qui, à midi, disait... Enfin, la même personne, pardonnez-moi, je parle un peu populaire. La même personne qui, à midi, disait... Les statuts, les règles et rien d'autre. Mais et là, il en sort. Mais non, mais vous n'allez pas lui reprocher de débloquer la situation. Rien, si, vous lui reprochez de débloquer si la situation. Si c'est l'ensemble de son œuvre. Non, mais c'est autre chose. Vous lui donnez beaucoup de force, là, hein, parce qu'il n'est pas tout seul. Il n'a pas tout seul, hein, franchement. En gros, Jean-François Lamour, Fillon a eu raison, puisqu'à la fin... Tout le monde est sorti des règles. Tout le monde est sorti des règles en instituant ce référendum qui n'a jamais été prévu. Ce qu'on peut retirer de la discussion, qui est quand même assez brouillonne, c'est que ce n'était pas plus mal, finalement, de s'engager vers à la fois une consultation des militants, parce que c'est quand même eux qui sont les principaux concernés, et puis très certainement vers un vote à nouveau, mais selon d'autres règles. Parce qu'effectivement, il faut bien reconnaître que le dispositif mis en place n'était pas suffisamment performant. On est dans le 15e, là. Il se trouve que c'est dans ma circonscription. Il y a des militants qui ont fait 3 heures de queue. D'ailleurs, ils ne les ont pas fait, mais ils se sont barrés. Ils ont fait 3 heures de queue pour aller voter. Donc, on voit bien qu'il y avait un problème également d'organisation. Mais c'est la première fois quand même qu'on change les règles pendant... Alors oui, parce que ce référendum, effectivement, il n'existe pas. Voilà. Donc, c'est déjà un geste de part et d'autre, initié, il faut bien le dire, peut-être par Jean-François Copé qui l'a exprimé, mais surtout par Nicolas Sarkozy qui a téléphoné à l'un comme à l'autre et qui a permis, en gros, de proposer une sorte de sortie de crise. On va bien voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est le principe. Mais pas aux mêmes conditions que le premier vote. Parce que si on repart effectivement avec un dispositif qui est uniquement piloté par le secrétaire général de l'UMP, avec une organisation... Le président effectivement, de l'UMP. Non, j'ai bien dit le secrétaire général de l'UMP. Le président. Alors je pense qu'on va aller très très vite à nouveau dans le mur. C'est pour ça que François Fillon a proposé un certain nombre de principes. Tout ça organisé par une entreprise indépendante qui fera un vote Internet. Il n'y a aucune confiance, hein, on a bien compris. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Le vrai problème, il est là. C'est qu'il y a un problème de confiance. Ce qui vous interroge pas, et l'un et l'autre, il n'y a pas une chose qui vous interroge. Bien sûr, il y a une chose qui personnellement m'interroge et qui devrait vous interroger, l'un et l'autre, c'est que ces personnes qui ont fait ce parti et qui sont aujourd'hui en train de se déchirer, ont dirigé la France pendant 10 ans. Ça, c'est une vraie à quel question. Niveau était-il lorsqu'il dirigeait la France nous avons, Et en plus, nous avons le Premier ministre, l'ancien Premier ministre. Vous voyez un petit peu la responsabilité qu'il y a. Il y a un Premier ministre. Mais je comprends que vous défendiez un petit peu votre parti. Mais la question qui se pose, c'est la confiance. Et comment on va restaurer la confiance? Mais au-delà de la confiance, dans les structures mêmes de son parti, quand on n'arrive pas à organiser dans son propre parti... Oui, je voudrais dire que tout ce spectacle est affligeant. Quelle image de la politique on donne. Il est temps de passer à une 6e République et de dire place au peuple, parce que vraiment... Franchement, chaque jour, il y a des plans sociaux, c'est-à-dire des gens qui se retrouvent sur le carreau. Et ça, c'est les vraies questions, c'est les vrais problèmes. Que des hommes politiques fassent passer en avant leurs ambitions personnelles, c'est à croire qu'ils n'ont plus de convictions, qu'ils n'ont que des ambitions.
J'admets qu'un homme politique ait des ambitions, mais qu'il les mette au service de ses convictions. Or, aujourd'hui, on vit dans une situation qui est dramatique pour les travailleurs qui subissent chaque jour des plans sociaux au nom d'une Europe ultralibérale. Je veux dire que c'est ça les vrais problèmes de la politique. Je n'arrive pas à m'intéresser à ce conflit. On ne vous demande pas de vous y intéresser. Non, mais je n'arrive pas à m'y intéresser parce que c'est une image de la politique qui est lamentable. On a un temps démocratique aujourd'hui. Ben oui, mais on a en tout cas essayé de mettre en place. On a le droit de dire que c'est relatif tout ça. C'était indispensable à notre parti, que vous le vouliez ou non. Il faut effectivement qu'on en passe par là. Il y avait un président de l'UMP, il s'est retiré pour l'instant de la vie politique. Il fallait qu'on trouve ce moment de respiration démocratique. Il faut bien reconnaître aujourd'hui que ce n'est pas une grande réussite, mais il faut qu'on en sorte pour qu'effectivement ensuite on puisse à nouveau faire notre boulot d'opposant. Et je le reconnais, c'est un moment qui est très compliqué pour nous, qui est très douloureux, y compris pour les militants. Mais il fallait qu'on en passe par là, avec malheureusement un manque d'expérience très clair, en particulier sur la procédure d'organisation de vote qui nous amène là où on en est. Mais pour nous, c'était vital également. Vous croyez qu'on allait repartir comme ça, comme si de rien n'était, après la perte de la présidence de la République, il faut bien dire un échec aux législatives. On ne pouvait pas se permettre de repartir comme ça. Donc c'est notre moment qui est terrible. J'entends ce que vous dites sur les plans sociaux. On a travaillé, moi j'ai passé des nuits dans le cadre du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale et dans l'hémicycle pour s'opposer à un certain nombre de propositions du gouvernement de M. Hérault. Mais laissez-nous aussi le temps de nous réorganiser et de déterminer qui doit mener effectivement la bataille dans les 3 ans qui viennent. C'est pas une grande réussite pour l'instant, mais il faut qu'on en sorte. C'est tout à fait vrai. Mais moi j'avais tout à fait le droit d'avoir ce temps et vous l'avez. Mais je trouve que c'est disproportionné par rapport à la gravité des questions qui se posent. C'est aussi la façon dont on en parle et l'importance. Je trouve que vraiment, il faut relativiser le sujet et dédramatiser. Vous parliez de révolte, mais c'est une révolte tout à fait relative parce qu'on reste quand même dans un processus démocratique typique. C'est arrivé à gauche, c'est arrivé à droite. À gauche, ils n'ont pas changé les règles au milieu. Ils n'ont pas changé les règles. L'une a reconnu sa défaite. Non, mais vous avez cette bataille d'ego parce que finalement, dans le processus politique, à la fin, vous avez un gagnant et un perdant, et c'est sûr que les enjeux sont énormes. Là, effectivement, il y a eu la perte de la présidence, donc les cartes sont rebattues, mais on reste dans le... Et l'argent, et ça, mais... il y a aussi le fait de se sentir dépossédé de sa victoire, et donc de l'avenir de son parti. Et c'est à partir du moment où vous avez ce sentiment d'être dépossédé, que vous vous sentiez justifié à désobéir au statut, à vous mettre en dehors de la règle. C'est un peu ce que vous théorisez, Albert Ogier. Hein. J'essaie de dire ça, oui. La désobéissance, ça commence là. Je voudrais donner une note d'optimiste. Je persiste et je signe. Je pense que Copé a fait beaucoup de propositions. Mais aujourd'hui... ça, on en discutera tout à l'heure. Non, mais je pense que la crise, et moi j'ai même parlé de tragédie pour la vie politique française, était peut-être nécessaire parce qu'elle va permettre une certaine forme de clarification dans les positionnements politiques, même une fois qu'on sera à nouveau ensemble, parce que je souhaite qu'on soit à nouveau ensemble. Mais naturellement, aujourd'hui, le monde bouge, la mondialisation est là. On parle de 5e République, mais en fait, moi, je pense qu'on est déjà dans la 6e. Le quinquennat a tout changé. Le positionnement, je l'ai dit, quelle est la différence économique sur le choix économique entre M. Hollande et M. Sarkozy, c'est pas si important. Et en fait, ce que nous avons vécu comme un drame est véritablement une opportunité de clarification des positions de mouvement politique. Je le crois vraiment. C'est très douloureux. C'est une tragédie. C'est incompréhensible. Mais je pense qu'on va en tirer des fruits positifs. On est d'accord. Quelqu'un veut ajouter quelque chose sur ce sujet, Valérie Lange? Je voudrais juste dire que les partis politiques sont un des rouages de notre vie démocratique. Donc on ne peut pas dire que ce n'est pas important. C'est très important parce que même moi qui ne suis pas à l'UMP, savoir que c'est Jean-François Copé qui est président... président, c'est ça, on dit président de l'UMP et pas François Fillon, ça change la donne. Parce qu'on dit, en tout cas les commentateurs politiques disent qu'il n'y a pas de différence idéologique entre les deux. Il me semble qu'il y en a une. Mais c'est la clarification. Donc, et ça, c'est très important pour les sympathisants, c'est pour les gens qui voteront demain et pour les choix politiques qui vont être faits. Donc il me semble que c'est important pour nous aussi qui ne sommes pas à l'UMP de savoir comment on choisit son président et quelles vont être les positions de ce président. Bien sûr. Ça fait partie de notre vie politique. C'est un dérange indispensable. La forme est très importante aussi. Parce que, par exemple, moi je dis coup de chapeau à François Fillon aussi.
toutes ces... Et moi, je dis coup de chapeau à Jean-François. Quel courage. Henri Pénarvis, un dernier mot. Non, simplement, je reconnais tout à fait le droit à l'UMP d'avoir ses débats intérieurs, mais oui, ce qui me choque dans la couverture médiatique de cette question, c'est que c'est absolument disproportionné au regard des vrais problèmes. Je veux dire que des ouvriers chaque jour soient au chômage, c'est quand même 10 fois plus important. Et il faut s'interroger sur notre devenir social et économique. C'est quand même... Un dernier mot, Jean-François Lemon, vous avez vous sur cette couverture médiatique, nous recevons, je suis un des porte-parole de François Fillon, 20 à 30 coups de téléphone par demi-journée pour venir sur des plateaux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise pour expliquer, pour faire une sorte de pédagogie? Donc, faut-il refuser, ne pas informer, ne pas défendre notre position? Vous voyez, c'est très compliqué finalement de trouver le juste milieu. Je reconnais effectivement que cette couverture est particulièrement importante par rapport à la situation du pays, de la crise profonde dans laquelle nous sommes, mais c'est le jeu. C'est à la fois le jeu médiatique et le jeu démocratique. On le fait finalement quelquefois un peu à contre-cœur, mais on est obligé de le faire. Le seul problème, c'est qu'il faut que maintenant, on aille très vite. Ça oui, mais ouais. Pas dans n'importe quelle condition, Christine. Ah bah voilà. Voilà. Bien sûr. Près de Nantes, qui maintenant occupe les terrains. Regardez. Occuper le terrain. Un mot d'ordre pour les dizaines de milliers de manifestants venus porter main forte à la contestation. Tous solidaires pour construire ou plutôt reconstruire un habitat en lieu et place du futur aéroport. C'est un acte de désobéissance civique, pacifique, pour dire qu'il y a une loi aujourd'hui injuste qui est celle de fermer des maisons et c'est lié au projet de Notre-Dame-des-Landes. C'est aussi pour un autre choix de société, je pense, la croissance à tout prix. Beaucoup de gens n'en veulent plus, je pense. Bruno Le Roux, le président du groupe PS à l'Assemblée nationale, a déclaré sur France Inter ce soir « Je ne comprendrai pas qu'il y ait aujourd'hui continuité dans une guérilla menée contre des décisions démocratiques. » Il faut envisager d'autres méthodes. C'est-à-dire ? Le sabotage. De quoi ? Le sabotage, généralement. C'est-à-dire qu'ils posent un tractopelle, on détruit le tractopelle et puis c'est tout. Le gouvernement met en avant le respect de la loi pour justifier l'évacuation musclée du site de Notre-Dame-des-Landes. Il était 6h ce matin, 500 gendarmes donnent l'assaut. Leur cible, les cabanes et plusieurs fermes des alentours, squattées par des centaines de personnes. Un objectif très important, c'est d'éviter l'installation d'un camp qui pourrait servir de base arrière aux opposants les plus radicaux. Face à face, depuis maintenant 2 jours, 500 gendarmes et des dizaines de petits groupes d'opposants très mobiles qui se disputent chaque mètre carré du terrain du futur aéroport. Le gouvernement fait des concessions. Le Premier ministre propose la création d'une commission de dialogue, le report de 6 mois du défrichement et la validation d'un comité scientifique sur la biodiversité. C'est une contestation qui ne faiblit pas. Dans le bocage nantais ce matin, les opposants à l'aéroport donnent toujours plus de voix. Nous, on reste et on n'est pas prêt de partir d'ici. L'aéroport ne se fera pas et on restera là. Alors, Hervé Kempf est venu nous rejoindre. Vous êtes journaliste, vous tenez la chronique écologique du quotidien Le Monde et vous êtes l'auteur de nombreux livres, souvent très polémiques. Le dernier, c'est « L'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie ». Alors, là encore, est-ce que les opposants à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, on sait que c'est un projet qui date de 1963, qui a eu une opposition qui est née déjà en 1972, mais enfin, on croyait que là, les décisions avaient été prises, le gouvernement invoque la loi. Est-ce que les opposants sont dans leur droit, à votre avis, à occuper ces terrains, à retarder les travaux et par la même occasion à risquer de déclencher des violences? Ils sont clairement dans leur droit, qui est de continuer à occuper ce terrain, sachant qu'il y a des occupants légaux qui ont des maisons, qui sont expulsables par la compagnie Vinci et ceux qui veulent faire cet aéroport, mais qui pour l'instant sont là, légalement. Et il y a par ailleurs, depuis à peu près 3 ans, progressivement, des jeunes gens, ou parfois moins jeunes d'ailleurs,